Dans l'occasion 100 ans occupation américaine, 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, plateforme Osalvo Bobo avec la Voix des Sans Voix, une organisation haïtienne qui est dans la diaspora, a annoncé un match pacifique mardi 28 juillet pour dénoncer toute forme d'occupation qui est dans le pays. Dans une conférence pour la presse, jeudi vendredi à Alvarez Resto Club, porte-parole plateforme Osalvo Bobo, Ulrich Louima, avec responsable la Voix des Sans Voix, Théova Milfort, fait qu'on est match là absouti sous champ de masse pour aller bout devant ambassade américaine dans Tabar côté responsable pour aller délivrer message final là. Ulrich Louima ak Théova Milfort dans micro Emmanuel Tolembrina ak Delson Gersin. Si pas gagne Dessaline, pas gagne 1804. Si pas gagne Osalvo Bobo, Charles-Marie Peral, Benoît Batraville, Amérique pas après aller 1934. Débarquement américain 28 juillet 1915 dans Bizoton ça. Quitter Yongou la loi dans mémoire peuple haïtien. 28 juillet 2015, ça ban nous seul année noire. Pour te coller avec mouvement Osalvo Bobo, la voix des sans voix pour délibérer Haïti pacifiquement. Et nous tous connaissons que l'occupation ça pas porter la joie pour nous. Comme côté t'attaquer c'est ensemble paysan yo, volontaire yo, battre, violer, faire travail sans toucher, mettre en l'armée pour tout baiser nous, mettre un système politique jusqu'à présent pas rien comme résultat, rentrer dans la Banque nationale là, prendre toute réserve l'oc te gagne, et après toute année ça, c'est que nous remarquons ensemble, société civile là et tout le monde qui est dans la politique dans le pays, nous pouvons comprendre que c'est nous-mêmes pour qui sauver le pays. Il a toujours été dans plein que Américains, Français, Canadiens parlaient Haïti avancer économiquement. Dans ce sens, ça, nous disons, un, nous ne parlons pas occupation d'un pays sous quelque soit forme liée. Deux, nous disons qu'il faut installer une banque agricole, un système agricole qui crée un pays à côté que qui baille opportunité à ensemble paysans, planteurs, cultivateurs, pour jouer non seulement l'argent pour faire jardin, dans trois phases. Jardin de la Koulakay, jardin petit parcelle et jardin masse production côté que c'est gros parcelle de terre qui travaille en façon pour nous capables non seulement reprendre droit grand monde nous et avancer pays à dans intérêt chaque grand haïtien. Nous dit que il faut que un pacte national de bonne gouvernance qui crée sous 25 ans côté que soit gouvernement qui monte là c'est dans pacte là pour fonctionner pour le marché côté que qui parle un avantage chaque grand haïtien qui vit en dedans comme dehors. Nous disons au niveau radio-télévision, il faut qu'on ait telle responsabilité pour établir un quota de 19h de temps pour ces produits locaux, cinéma, musique, théâtre, feuilleton, avec éducation civique et campagne pour mobiliser, n'est-ce pas, secteur agricole et économie pays pour nous soutenir dans le problème que nous avons aujourd'hui. Mardi 28, nous sommes sur le champ de mars à 9h du matin, nous avons commencé, nous parlons devant l'Assemblée nationale. Nous, après ça, nous avons sorti par l'Assemblée nationale, nous parlons devant l'ambassade américaine. Sous toute route là, nous avons passé pour toute population, tout peuple là, pour nous courir le mouvement ça et pour le mouvement ça atterrir. L'ambassade américaine qui s'est engagée. Nous parlons délivrer un message pour nous dire non seulement nous parlons, forme d'occupation, ce qui est la forme liée dans le pays. Deuxièmement, nous parlons dire que je dis à la, un groupe haïtien, un groupe jeunes garçons, jeunes femmes qui campent, qui disent mais ça va avec le pays, pas gagner qu'à barrer nous, la vie ou la mort, Haïti faut le sauver.